diversité commerciale à Paris est très importante. Donc la CMAS est le bras armé de la ville de Paris en matière de protection du commerce. Le testeur, c'est un outil qui permet en fait de la prise de risque. On s'est rendu compte assez vite qu'il y a beaucoup de projets à Paris, mais que très peu de projets passent le cap de la boutique pour faute, parce que le bail c'est 369, pour faute de financement. Du coup là c'est un commerce clé en main. Vous pouvez le louer de 7 jours, voire 15 jours, plutôt à 4 mois. Et l'idée c'est que tout est prêt, vous installez votre commerce, on teste des concepts innovants qui sont prioritairement dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. Depuis 2015, donc le premier testeur de commerce a été créé en 2015, on a 35 projets qui sont passés et la moitié ont choisi ensuite de s'installer dans un commerce pérenne. Et ce qui est intéressant, c'est que la plupart de ces projets se sont installés autour du testeur de commerce du 10e, donc il y a un vrai écosystème qui s'est créé. On en a créé un deuxième dédié à l'artisanat au Viaduc des Arts, là sur une durée un peu plus longue, et je suis heureuse de vous annoncer que mercredi nous allons inaugurer le troisième ou plutôt le deuxième vrai testeur de commerce dans le 11e arrondissement. Voilà.